Bien dans son job, avec Sagid Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents. Bien dans son job, il y a un sujet central aujourd'hui dans les entreprises, c'est la qualité de vie au travail. Plus largement le bien-être euh, au travail, sur son lieu de travail. Et on en parle, on en parle avec Delphine Cochet. Bonjour Delphine. Bonjour. Hein. Très heureux de vous accueillir, la, la CEO, la fondatrice de Ma Bonne Fée, euh, créée il y a 4 ans, Tout à euh, fait. Esprit Startup. Complètement. C'est ça l'idée. Exactement. 11 collaborateurs aujourd'hui. Tout à fait. Euh, avec une évolution d'ailleurs de la structure, hein, vous pouvez peut-être nous en parler. D'abord, c'était un, un service donné aux, aux salariés en direct. Et puis là, vous avez, vous avez transformé le, le, le modèle pour proposer euh, une plateforme, puis on va en parler, une application, directement au service RH. C'est bien ça l'esprit C'est tout à fait ça. Alors effectivement, l'histoire de Ma Bonne Fée, on a commencé comme euh, en B2C, donc directement avec les clients. On a créé une app qui s'appelle maintenant nounoudenuit.fr pour permettre aux parents, à la sortie de la maternité, mmh. d'avoir un accompagnement. Et Très puis... utile. Les femmes sont épuisées, les papas parfois, et ça permet de pouvoir passer des nuits entières. Exactement. Et, et c'était vraiment, ça a été notre philosophie de départ. C'est comment euh, donner les solutions et les conditions pour que l'épanouissement professionnel soit compatible aussi avec la parentalité. Et c'est comme ça qu'on a atterri sur le chemin de la qualité de vie au travail, donc avec l'entreprise, en passant par la parentalité, qui est un des gros sujets de la qualité de vie au travail et qui a été mis sur le devant de la scène il y a deux ans avec le confinement. Et c'est à ce moment-là qu'on a fait notre pivot pour vraiment apporter une solution complète aux entreprises, cette fois, qui qui derrière le déclinent pour leurs salariés sur les sujets de l'équilibre vie pro-vie perso. Delphine, c'est un clé en main que vous apportez au RH. Vous leur dites voilà, ma bonne fée propose tel, 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 tel service qui pourra servir à vos collaborateurs, à vous. Euh, bah de l'implémenter euh, chez quoi Aux boîtes mail et euh, à tous les réseaux numériques des salariés C'est ça l'esprit Exactement. En fait, ce qu'on a voulu faire, c'est aussi simplifier la vie des équipes RH. Alors, nous, notre cible, c'est beaucoup les PME et les ETI, où non seulement vous retrouvez des obligations sociétales oui. autour de l'équilibre vie pro-vie perso, des risques psychosociaux, de la santé mentale et aussi de l'égalité professionnelle femmes-hommes, sans parler de tous les sujets de diversité, inclusion, maladie, handicap, etc. Donc, c'est apporter des briques qui vont permettre aux équipes RH de ré répondre à ses obligations sociétales et aux salariés eux-mêmes bah, d'aller trouver des outils pour euh, trouver l'équilibre. Euh, deux chiffres, 58% des employés français considèrent la, la conciliation vie pro-vie perso comme l'un des trois critères prioritaires euh, dans le choix d'un emploi. Ça c'est pour les, les candidats, puis il y a ceux qui sont dans l'entreprise. Et qui parfois aimeraient que leur entreprise les accompagne un peu plus. Euh, parmi vos 50 entreprises clientes, puisque vous avez 50 entreprises euh, avec lesquelles vous travaillez, qu'est-ce que recherchent les salariés Vous avez des retours des, des RH qui vous disent euh, la plateforme, on l'utilise quoi Pour un psy, pour une nounou, pour une puéricultrice, pour une place en crèche C'est quoi les, les demandes En fait, euh, alors nous, on a un focus historique autour de la parentalité. Donc on a beaucoup de demandes autour de ben, j'ai euh, une garde à domicile, mais euh, Covid et il me faut une solution de, de, de backup. Et donc, donc aidez-moi. Exactement, ils, ils prennent rendez-vous et ensuite, on détermine ensemble la bonne solution avec le care manager qui leur est dédié. Ça peut aussi être effectivement des, une partie plus soutien psychologique. Donc là, c'est je boucle en trois clics un rendez-vous avec un psy. Si j'ai des doutes, est-ce que c'est un psychologue du travail Est-ce que c'est un psychologue lié à l'adolescence Parce qu'en fait, tout se mélange et c'est avec mon ado. On va pouvoir aiguiller vers le bon expert. Et on a aussi toute une partie coaching, voire assistance sociale. Parce que parfois, ça peut être des enjeux euh, vraiment personnels liés à la maladie, du handicap ou des dossiers sur lesquels on les accompagne. Donc ça veut dire que vous, votre entreprise, la Ma Bonne Fée, en back-office, il faut que vous soyez très réactif et que vous puissiez orienter euh, ces salariés en, en demande parfois urgente le plus vite possible. C'est bien cela l'enjeu pour vous hein alors il y a une question de alors pas forcément de vitesse je dirais mais il y a une question de digitalisation pour que ce soit efficace et qu'il y ait une expérience collaborateur la plus fluide possible. Je pense une place en crèche parfois il y a un peu, peu d'urgence quand même. Voilà bah, et, et ensuite donc il y a ce premier côté digital mais il y a toujours de l'humain c'est-à-dire qu'il y a toujours un contexte mmh, il y a une compréhension manager, ouais. voilà dans lequel nous on a besoin d'être main dans la main avec le salarié et ensuite derrière il y a tous nos réseaux. Euh, de prestataires mmh. où justement on va définir euh, des fonctionnements pour être le plus efficace possible. Mmh. Et on est beaucoup plus réactif que le salarié lui-même quand il recherche une solution. Donc c'est aussi là l'intérêt euh, d'utiliser l'outil de Ma Bonne Fée. Alors il y a une autre étape que vous êtes en train de franchir et que vous avez franchie puisque c'était en mars dernier. Donc effectivement l'étape est franchie. Non seulement ils accèdent à la plateforme avec des codes, j'imagine, envoyés par le, le service RH mmh. qui lui permet de pouvoir chercher ce qu'ils ch souhaitent. Mais vous avez mis en place une appli, parce que vous êtes parti du principe que finalement on regarde de moins en moins l'ordinateur et de plus en plus le smartphone. Oui, en fait il y a deux constats. Il y a un premier constat c'est que les utilisations des, des communications classiques diminuent. Donc même un intranet, c'est compliqué de le tenir à jour pour les équipes RH. Pour autant, on n'est pas non plus en intranet. Nous, on est le tiers de confiance, ce qui fait qu'en un clic, j'ai accès à toute la politique de qualité de vie au travail de mon entreprise. J'ai accès à du support. Et j'ai aussi, et c'est là l'intérêt de, de la solution qu'on a sortie, la possibilité, euh, ma bonne fée, on publie du contenu. C'est-à-dire qu'on va euh, pouvoir retrouver, je peux m'inscrire à un atelier de sophrologie, je peux m'inscrire à un atelier de gestion du stress, euh, de conciliation peu peur, problème, vie pro-vie perso. Vit, hein. Exactement. Ouais. Et tout ça, ça vit, encore une fois, nos, nos, nos clients sont les équipes RH. Qui ont besoin de solutions qui peuvent vivre et animer euh, leur l'expérience leur, euh, collaborateur sans que eux aient besoin de trop mettre oui. d'énergie, de temps, de ressources humaines ou financières. Euh, depuis que vous avez pivoté là, est-ce que vous voyez une recrudescence on, on dit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de salariés sortis Covid qui sont dans des états euh, compliqués. Est-ce que vous avez senti que c'était plus compliqué euh, après cette sortie Covid euh, dans la gestion de la parentalité, dans la psychologie Est-ce que vous sentez que les salariés ont besoin d'un accompagnement plus important encore alors, je sens que les équipes RH ont besoin d'encore de plus de solutions pour leurs salariés. C'est ça. Euh, Ils tirent la sonnette, quoi. Voilà, exactement. Parce que en face, on leur demande plus de sens. Vous avez donné les chiffres. On leur demande plus de sens à leur job, mais aussi euh, ce que fait l'entreprise, la manière dont elle le fait. On leur demande aussi un meilleur équilibre vie pro vie perso, une plus grande flexibilité. Donc, tout ça, si vous n'avez pas aussi le, la prise de pouls pour vous aider, et nous, on est aussi le tiers de confiance qui prend le pouls, le tiers oui. manager entend des discours. Euh, et, et fait ça va, remonter, j'imagine. Je... Exactement. De manière anonyme. Via, euh, via le père. Qu'est-ce qu'ils Qu'est-ce que vous disent vos pères là qui sont en contact direct avec eux Là aujourd'hui, il y a euh, effectivement sur la parentalité, il y a des vrais sujets de volonté de mieux concilier vie pro vie perso, de euh, euh, discordance entre les discours et puis la réalité managériale. Donc nous, il y a beaucoup de sensibilisation auprès euh, du management aussi sur l'équilibre vie pro vie perso, sur euh, les risques psychosociaux parce que évidemment que quand vous êtes en distanciel, vous ne mesurez pas les risques de la même manière qu'en présentiel. Donc, il y a beaucoup de, de codes qui ont changé. C'est une question que je gardais pour la fin, entre guillemets, pour les managers, parce que les managers, ce sont des femmes aussi, qui sont souvent mères de famille, engagées dans une, une vie de couple. Euh, elles aussi, elles, elles font appel à la plateforme, elles vont sur l'appli parce qu'on pense toujours aux collaborateurs, mais il y a aussi des managers qui sont extrêmement sous pression. Oui bah, Justement, on a, il y a des, des sont, entreprises ouais. qu'on qu qu accompagne euh, qui euh, font un, mmh. un focus spécifique sur l'accompagnement du management, sur... L'équilibre vie pro, vie perso. Et, euh, et c'est vraiment euh, devenu aussi un, un besoin des managers de. Pour eux-mêmes en fait, il y a vraiment deux Monsieur dimensions. Oui, c'est exactement leur propre pour eux, en, exactement. Et, et là encore une fois, alors on parle des femmes, mais les hommes aussi aspirent de plus en plus. Et ça, c'est tout mon combat euh, à plus d'équilibre vie pro vie perso, à sortir de ces carcans et ces injonctions. Mais Delphine, vous l'avez répété trois fois, vie, euh, équilibre. Ça veut dire quoi concrètement un équilibre vie perso vie pro très concrètement Qu'est-ce Tr qu'il réclame Très concrètement, ça veut dire euh, euh, avoir cette flexibilité d'organisation. Euh, donc, par exemple, là, euh, les, sur les millennials, vous avez plus presque euh, 4, 4 millennials sur 10 qui quitteraient sa boîte si elle revient au 100% présentiel. Donc, vous avez toute la flexibilité du travail. Vous avez la confiance qu'on qu vous accorde et c'est aussi toute une méthodologie de travail sur laquelle on, on va demander c'est aussi bah, la parentalité puisque c'est mon sujet c'est euh, ben bah, j'ai pas de mode de garde quelles sont les solutions pour qu'on me... Permettent de faire correctement. Donc, entre le eux, les salariés embauchés ou en, en, en phase de recrutement ont des exigences à l'égard de leur service RH. Ils disent il faudrait aussi que vous m'apportiez ce service-là. Ah, tout à fait. C'est bien ça l'enjeu. On a eu le cas la semaine dernière d'une un, équipe RH qui nous appelle parce qu'une un des, des personnes qui veulent recruter, qui, qui est un homme en l'occurrence, a sa place en crèche financée par son ancienne boîte. Il n'en bougera pas si la prochaine ne prend pas en charge sa place en crèche. Ça, c'est un vrai sujet. Ça veut dire que le service RH et donc l'entreprise doit s'interroger sur on veut ce talent, on veut ce collaborateur mais 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 il faut qu'on paye ses, sa place en crèche. Exactement. Et sur lequel, en plus, bon, je ne peux pas vous le faire, ou pas, des heures, vous mais. Avez, euh, ils vont a priori, la... oui. Donc, ils vont faire l'effort de, de, de remplacer, de continuer à, à financer cette place en crèche. C'est tout simple, si on parle de ROI, vous, vous comparez le coût d'une place en crèche finale qui est entre 200 et 300 euros par mois par mmh. salarié, euh, donc c'est maximum 3000 000 euros sur l'année, et vous le comparez avec du turnover, à des difficultés de recrutement, à une désorganisation de votre entreprise, donc c'est le calcul. Et par fait. ailleurs, un salarié qui, qui a le sentiment qu'on qu l'a écouté et qu'on lui fait confiance. Exact. Exactement, et qu'on prend en compte sa parentalité et l'équilibre de vie pro, vie perso auquel il aspire. Là, c'est concret. Merci Delphine Cochet d'être venue nous rendre visite avec ma bonne fée. Dire pourquoi la bonne fée On comprend parce que c'est la petite baguette magique qui vient aider les... Alors, c'est voilà, à la fois euh, l'aide... Euh, attendu par les RH et, euh, et aussi pour les salariés Merci, vous êtes à la tête de Ma Bonne Fée on vous l'aurait compris avec cette appli, cette plateforme euh, qui travaille la main dans la main déjà avec 50 clients, donc avec 50 services RH ETI, PME merci de nous avoir rendu visite, c'est un sujet éminemment important, tout de suite notre rubrique, les entreprises s'engagent avec une autre histoire et une autre rencontre c'est tout de suite